When Lordaeron fell to the Scourge, few were affected more than the Knights of the Silver Hand. After their disbandment, many retreated to an ancient monastery in the hills of Tirisfal and formed the Scarlet Crusade, swearing to eradicate the undead and all who would aid them. As High Inquisitor, Sally Whitemane leads the Crusade in their fight against the menace of undeath, purifying its corruption wherever it takes root. Whitemane is an aggressive ranged support that bolsters healing to her allies by damaging her enemies. Whitemane's trait, Zeal, allows her to provide healing for her allies. Teammates that are healed by her abilities receive the Zeal buff. For a short period of time, allies with Zeal will heal for a large percentage of damage that the Inquisitor dishes out. Desperate Plea is Whitemane's first ability. When used, she heals an ally for a small amount and infuses them with Zeal. The ability has almost no cooldown. However, Whitemane is inflicted with desperation each time she uses it. Desperation stacks up to 3 times and will greatly increase the mana cost of Desperate Plea. Whitemane's W ability, Inquisition, provides consistent damage and in return, consistent healing by way of Zeal. When cast, Whitemane channels a beam that damages and slows enemy heroes, allowing allies to secure a pick on enemies that are in retreat. Her E ability, Searing Lash, is Whitemane's main source of damage. Searing Lash damages all enemies in a line and will strike a second time if an enemy hero is hit. Due to its short cooldown, it can be used to poke enemy heroes and delay objective captures. Whitemane's first heroic, Scarlet Aegis, calls upon the light to grant Zeal, armor, and a heal to all nearby allies. This can be used in a pinch to mitigate incoming AoE damage and help provide a window for extra team healing through Zeal. Whitemane's second heroic ability is Divine Reckoning. After a slight delay, she unleashes Holy Wrath upon all enemies in a large area and deals continuous damage for a short time. Due to the ability size, Divine Reckoning is a great way to quickly heal teammates with Zeal and provide a burst of damage that will give your allies the edge in a team fight. Whitemane's effectiveness as a healer comes from her ability to deal damage to enemy heroes. Remember to utilize the Zeal buff on your allies in teamfights in order to maximize your healing potential. Whitemane's level 1 talent, Clemency, grants her the option to cast Inquisition on her teammates for a more direct heal. Due to desperation, mastering Whitemane requires proper management of your mana while healing multiple targets. Thankfully, she has several talents at level 4 that help to mitigate this. Unwavering Faith reduces the cost of Desperate Plea and provides a shield at maximum desperation. High Inquisitor removes desperation and restores mana when Inquisition is used, and Indulgence returns mana when heroes are hit by Searing Lash. When playing against Whitemane, keep in mind that she does not have a practical escape. Dive the backline and put pressure on her in order to take her out of action or force a retreat that leaves her teammates vulnerable. In addition to the slow on her W ability, Whitemane has other options for disrupting enemy movement. At level 13, Harsh Discipline roots enemy heroes that are damaged by Searing Lash while Inquisition is active on them. At level 20, Judgment Day causes all enemy heroes hit by Divine Reckoning to be pulled to the center, making it all the more difficult to escape their trial by fire. High Inquisitor Whitemane has come to purify the nexus of its corruption. Will you stand in her way or arise as her new champion? Make sure to leave us a comment or subscribe to Heroes of the Storm on YouTube, and we'll see you in the Nexus.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on découvre bien entendu le kit de la petite Sally l'Inquisitrice. Et au final, eh bien, c'est vrai que ce personnage, quand j'ai vu annoncer, moi j'avais pronostiqué un Tauren, potentiellement Bane ou Karn. Enfin, c'est vrai que j'ai été étonné du choix. Même le premier teaser était étrange. Je m'attendais potentiellement, je sais pas, un Mengsk au départ, et c'est vrai que quand on a vu la cité, enfin on a vu que c'était justement potentiellement plutôt le monastère de la croisade écarlate, c'est vrai que je me disais, wow, ça m'étonnerait qu'ils mettent ce perso, ils vont plutôt chercher un Darion Mograine, un Tyrion, peut-être un Balnazar, et quand j'ai vu que c'était justement la petite Sally, qui était très très connue dans Vanilla pour la tuer pour son chapeau, c'est vrai que je me suis dit, et puis connue aussi pour ses formes, hein, mais... C'est vrai que j'ai été étonné, en tout cas j'adore la patte graphique de cet art, magnifique. Mais c'est vrai que j'ai été très étonné, du coup j'étais pas forcément ultra hype par ce personnage, j'ai même perdu un pari à cause d'elle. Mais voilà, j'ai été étonné que ce soit ce perso qui sorte, et au final, eh bien, donc j'étais pas non plus en mode ultra déçu, pas en mode non plus ultra hypé. Juste voilà, curieux de voir un petit peu le spotlight, et maintenant qu'on a justement cette mise en lumière, eh bien, force est de constater que le kit est intéressant. Je suis pas déçu, je suis pas non plus ultra hype en mode oh les révolutionnaires et tout comme une Anna par exemple. Donc un support qui sera quand même agressif, hein. C'est un support qui a pas d'escape, mais c'est un support qui sera très très agressif puisque plus vous ferez de dégâts, plus vous soignerez vos alliés. Donc il y a quand même cette mécanique du prêtre discipline de WoW, hein, cette mécanique de faire des dégâts pour soigner vos alliés, plutôt intéressant. Donc un peu l'approche solo sup avec quand même beaucoup de dégâts, donc potentiellement aussi jouable en double support, mais en solo sup assez agressive, un petit peu à l'image, bon je dis Karazim mais pas du tout, ce serait plus un Karazim distance en fait, mais dans l'idée. Donc après je pense qu'elle soigne énormément, je pense quand même qu'elle soigne beaucoup, donc ça semble être un solo support, mais c'est vrai que la petite Sally au final, eh bien elle a des choses intéressantes. Alors je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas 3 heures, bien entendu je vais essayer, une quinzaine, vingtaine de minutes serait l'idéal. Et du coup Sally, voilà, le support, alors elle a pas des compétences, comme je disais, voilà, elle est sympa, mais elle a pas non plus des trucs ultra révolutionnaires. Ce qui est cool, c'est cette mécanique de soin par rapport à vos dégâts, ça c'est super bien, donc vous posez une marque avec votre A sur un allié. Alors je crois pas que vous puissiez activer avec le D, il n'y a pas marqué D sur les... Quand on voit le perso, il n'y a pas marqué D. Donc il n'y a pas le D, donc c'est juste vous posez un A sur un allié. Si jamais vous le remettez sur le même allié, ça le soigne encore plus. Mais surtout, vous allez, dès que vous mettez des dégâts, ça va soigner. Donc ça c'est quand même super intéressant. Sachant que du coup, le Z... Alors j'adore, par contre, la manière dont ils ont fait le Z avec la vieille méchante de série B qui fait je trouve ça très sympa honnêtement. Mais du coup le Z qui fait un slow, alors qui fait des dégâts, donc c'est une animation qui va faire des dégâts. Alors j'ai l'impression qu'on peut se déplacer, je suis pas tout à fait certain, mais j'ai l'impression qu'on pouvait se déplacer, j'ai vu 2-3 trucs. C'est peut-être un talent, je n'en sais rien. Mais peut-être pas en fait, peut-être pas. Mais du coup c'est une canalisation, ça slow, ça fait des dégâts. Si vous avez justement des liens qui sont connectés sur vos alliés, bah, comme vous faites des dégâts, vous soignez. Donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. J'aime bien l'idée honnêtement. De toute façon le passif est super intéressant. Le passif est super intéressant. Rien que ça, ça rend le perso intéressant. Donc le principe du désespoir, c'est que plus vous mettez le soin sur quelqu'un, plus ça vous coûte cher en mana. C'est le principe que voilà, on fera une histoire d'un héros sur Sally, ne vous en faites pas. Ce sera Sally et la croisade écarlate, et du coup c'est vrai que Sally, il y a l'idée de désespoir, il y a vraiment l'idée de on se tient devant le gouffre qui pourrait engloutir l'humanité, et parfois bah, on cède un petit peu au désespoir, même si la lumière va nous aider, blablabla. Donc c'est un peu la lumière du désespoir aussi, et au final... Eh bien, c'est le fait que justement, plus vous spammez vos soins, plus vous spammez vos A, plus ça vous coûte cher en mana, je trouve ça intéressant. Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un qui arrivera à bien gérer la mana de Sally, arrivera à rentabiliser énormément, justement, et pourra être beaucoup plus efficace. Donc là, forcément, les supports qui ont du mal à gérer leur mana, ça va faire mal. Alors que, voilà, là, par exemple, la Sally qui va back avant l'objectif, qui arrive full mana, elle va pouvoir bien plus être efficace. Ça valorise vraiment la gestion des ressources, je dirais, la gestion de mana, puisque le mana est une ressource. Alors, voilà, on le voit ici, le fait que, justement, le désespoir ici, avec les nombres de marques, donc... Vous avez la durée, et si vous le refaites plusieurs fois, eh bien vous perdez enfin ça vous coûtera plus cher en mana, etc. Mais le soin sera plus gros, tout simplement. J'ai pas encore les taux, on n'a pas les chiffres. Je ferai peut-être un peu comme pour le rework Asmodan, etc. S'il y a vraiment un énorme truc qui sort,
on pourra, avec toutes les listes des talents, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus poussée. Là, on est vraiment sur le spotlight, les premières impressions. Donc, ce qui me gêne un peu avec ce perso, c'est qu'il y a très peu de skill shot. Le A, c'est pas un skill shot, le Z, c'est un point and click. Le E, c'est un skill shot, mais au final, en croix, bon, c'est pas un skill shot. Waouh! Donc, c'est vrai que là-dessus, ça me gêne un petit peu. Après, le E est sympa, c'est l'idée que voilà, vous touchez avec votre première flamme. Si ça touche un héros, ça fait une deuxième flamme, donc pour qu'elle soit pas non plus trop forte en dépush. Ça, c'est bien vu, ça. Ça, c'est un très bon équilibrage de la part de Blizzard. Parce que le problème, c'est que pendant un moment, la méta double support était très forte parce que les supports, bah, au final, ils pouvaient dépush tranquillement. Et du coup, ça touche un héros, ça va faire deux fois les dégâts. Au final, si tu l'utilises pour dépush, ça ne marche qu'une fois. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, le chara design, mais c'est plus pour le lore que pour du véritable gameplay, mais ça fait une croix, du coup, bon, l'idée, voilà, l'acquisition presque, hein, j'ai envie de dire, l'inquisition espagnole. Alors, le petit slow sur le Z est toujours intéressant. On voit d'ailleurs que la Sally n'a pas connecté son A sur Ragnaros. Du coup, elle ne soigne pas Ragnaros. Donc ça, là-dessus, c'est un peu dommage. N'oublie pas qu'il faut A avant de Z. Comme ça, les dégâts du Z soignent le Ragnaros. Donc ça, c'est plutôt cool. Les ultimes. On va pouvoir attaquer les ultimes. Parce que là, voilà, il y avait le Z pour dépush, tout ça, tout ça. Là, elle soigne tout le monde. Les ultimes. Alors là, on va voir les ultimes, justement. Honnêtement, je trouve ces ults très intéressants. Alors, le personnage, dans son kit de base... et pas non plus dingue, donc elle sera très dépendante des ultimes, on n'a pas encore les temps de recharge, mais les ults vont être super importants, parce que là déjà, 40 d'armure en zone, plus le fait que ça applique le A gratuitement, enfin par rapport au coût en mana normalement que ça devrait peser, donc gratuitement sur tous vos alliés autour de vous, c'est très 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 fort, c'est très 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 fort, vous avez juste à R, ça bloque, ça protège toute la team, et vous spammez vos dégâts, ça va soigner toute l'équipe. C'est quand même vachement intéressant, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est un soin de zone de fou. Voilà, et ça permet, voilà, comme on le disait, de soigner un peu plus avec le A aussi. L'autre ultime, et sur le papier, je me suis dit, c'est un peu de la merde, c'est un peu les météores de Tyrande, et en fait, j'ai fait, ah mais non, non, en premier lieu, je me suis dit, ça a l'air d'être de la merde. Et au final... dans ma tête, je me suis dit, ah mais non, c'est vrai, parce que plus elle fait de dégâts, plus elle soigne. Du coup, ça, c'est un ult un peu plus DPS. Faut voir si ça fait des dégâts sur les squelettes aussi, par exemple, potentiellement sur du Sanctuaire Inferno. Vous mettez ça sur la zone, ça, faut voir la durée aussi. Ça n'a pas l'air de durer très très longtemps. Mais n'oubliez pas que bah, si vous avez le zèle sur 3 personnes, bah potentiellement, c'est un soin de zone pour votre équipe. Faut voir le temps de recharge. J'espère que ce sera un temps de recharge plutôt court, parce que les dégâts n'ont pas l'air non plus... même si, bon, bien sûr, dans le spotlight, il montre que ça tue tout le monde, hein, mais calmez-vous. Surtout qu'il y a un temps d'activation et tout, enfin... ça m'a l'air d'être un peu un météore du pauvre de Tyrande. Après, la différence, c'est qu'un météore de Tyrande, c'est offensif, là, ça soigne. Donc c'est normal aussi que ce soit pas aussi fort qu'un météore. Due to the ability size, Divine Reckoning is a great way to... on voit quand même un soin quand même très intéressant. Voilà, Vala par exemple. Bon, elle avait mis un double A aussi. Enfin, lui a mis double A, je crois. Elle a mis double A, Vala, un seul A. Voilà, on voit les dégâts, machin. Donc, cette ult a l'air... je pense que l'ultime avec les 40 d'armure aura normalement un temps de recharge très long. Celui avec les flammes devrait être beaucoup plus court. En tout cas, les deux sur le papier, comme c'est les dégâts, ça peut être intéressant. Bon, elle est mignonne, hein. Le chara design du personnage est quand même vachement réussi. Je pense qu'il y aura un skin pool party, enfin un skin à un moment donné, elle sera en bikini, un truc comme ça. Très probablement, ça se vendra. Elle aura des skins qui se vendront, elle, hein, ça c'est certain. Du coup, les talents. Alors, par rapport à ce qu'on voit, il y a des choses intéressantes. Donc déjà, le fait que tu puisses activer, donc c'est exactement comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que ça fonctionne comme le hook allié de Stitches. Très drôle aussi le fait qu'elle écrase Stitches en mode les morts vivants, même en tag, je les écrase. Je trouve ça sympa, mais je trouve ça marrant. Du coup, l'activable sur un allié pour potentiellement soigner. Alors, on connaît pas le temps de recharge du Z, mais ça réduit en plus en passif de 3 secondes, donc comme le hook de Stitches qui réduit le temps de recharge quand vous l'utilisez sur un allié. Là, dans le même délire, c'est... voilà, plutôt que de, si jamais vous n'êtes pas à portée de pouvoir taper un ennemi, vous vous en servez pour soigner un allié directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a à côté de ça, donc le A qui augmente Increase Consecutive Desperate Play Heals. Donc plus vous mettez votre A sur quelqu'un, plus ça va vous soigner. Voilà, c'était le principe. Donc je pense que oui, en fait, je disais, plus vous mettez un A, plus ça va soigner. Je pense que je me suis avancé, en fait. Je pense que le heal, l'idée, le Q, c'est de le mettre sur plusieurs personnes. Mais avec ce 1...
si vous focalisez le Q avec deux stacks potentiellement sur la même personne, vous allez plus soigner. Donc le Q a l'air très très intéressant. Faut voir les chiffres, mais le Q au 1 a l'air très intéressant. Ça, honnêtement, je pense que c'est... Normalement, très souvent, vous allez mettre l'inquisition sur les adversaires pour ralentir, donc aider votre équipe et soigner vos alliés et vous-même. Donc, ça a l'air cool sur le papier, mais le reste a l'air quand même... Ce niveau 1 a l'air très très fort et... Oui, les dégâts, donc le E qui fait plus mal si contre s'il y a des alliés qui, par exemple, bah, pendant l'inquisition, vous faites E inquisition, donc Z, EZ, le Z ralentit, et du coup votre deuxième E fera plus mal, ou votre premier sur si jamais vous avez une équipe qui a pas mal de contrôle. Plus vous faites de dégâts, plus vous soignez, je le rappelle, hein, c'est le principe aussi avec Sally. Donc d'ailleurs, c'est ce genre de gameplay équilibré, ça peut être dur parce que plus elle fait mal, plus elle soigne, donc le côté snowball est très très fort, ça rappelle la trompe de Sonia par exemple. Et au passage, tout ce qui est dégâts, enfin tout ce qui est capacité de debuff sur la puissance de capacité va à la fois réduire les dégâts de... va réduire les dégâts de petite Sally, et du coup également réduire les soins de Sally, donc ça sera très très intéressant, en plus de réduire les soins directs. C'est quand même très très fort comme debuff. Le passif, donc... Le Zel, donc qui marche mieux sur les cibles avec peu de PV, donc ça peut être intéressant aussi. Voir contre les compositions. Donc là on voit voilà le Z sur les alliés. Alors que là par exemple ça n'a aucun sens. Faut voir les montants de soins, mais je pense que c'est pas terrible. Parce que, sauf si vraiment c'est très très fort, mais si c'est les mêmes valeurs, bah là par exemple vous êtes devant Raynor, autant mettre le Zel sur Tracer et directement canaliser sur Raynor. Vous aidez à tuer Raynor pour Tracer tout en soignant. Donc d'ailleurs ça peut être un support qui peut être intéressant avec Tracer au final, puisque elle peut faire sa vie, vous posez, elle part dans tous les sens, elle a le Zel, donc à partir du moment où vous faites des dégâts, même si c'est sur d'autres cibles, vous allez la soigner. Ça peut être un peu à l'image d'un Malfurion. Voilà, l'idée, voilà, c'est que vous pouvez soigner plusieurs mecs, machin, tout ça, gérer le mana. Plusieurs talents de niveau 4, parce que justement, la gestion de mana semble être la principale difficulté du personnage, la gestion de cette ressource. Et du coup, niveau 4, c'est plutôt un talent de gestion de mana, au final, pour vous aider à charger votre mana. Donc notamment, réduce le coût du A, en fait, réduit le coût du A, tout simplement. Donc c'est directement pour combattre le fait de spammer votre A. Vous avez le Z, qui fait en sorte que le Z... vire le côté de désespoir pour virer les stacks qui potentiellement vont faire en sorte que vos prochains A coûtent plus cher en mana. Et en plus de ça, ça redonne du mana. Donc c'est super intéressant sur le papier. Après attention, puisque j'ai vu que certains talents, visiblement, plus il y a de points, plus ça soigne en fait. Donc ça peut être intéressant, notamment le niveau 1. Donc en vrai, pour vous inciter à spammer, mais attention, vous serez plus efficace, mais ça coûtera plus cher en mana. Et le E, donc, si vous touchez, donc je sais pas encore si c'est des héros ennemis ou des ennemis, si vous touchez avec le E... héroïde, peur héroïde. Donc si vous touchez des héros ennemis, ça vous donnera 30 de mana par touche. Donc si vous touchez avec les deux E, c'est 60 de mana. Non, pardon. Ah non, c'est 40 de mana, pardon. Donc faut voir le coût du E. Parce que si le coût du E c'est 30 de mana, ça peut vous donner 10 points de mana. Sinon c'est un peu de la merde. Hein. Sinon c'est un peu de la merde. C'est un peu comme le bouclier de mana de Régard. Il faut que ça vous redonne vraiment beaucoup de mana. Sinon c'est pas fou. Après... ça vous permet toujours potentiellement d'avoir un sort gratuit. Donc ça peut être intéressant. Mais je pense que du coup, les deux premiers ont l'air plus intéressants que le... To mitigate this, unwavering faith reduces the cost of desperate plea and provides a shield at maximum desperate... Alors voilà, il y en a un, c'est justement, ça fait en sorte que ça réduise le coût en mana. Et si vous avez le maximum de stack, ça vous donne un shield. Sachant que Sally n'a pas de... Donc le niveau, je rappelle, c'est le premier 4, voilà celui-ci. Qui vous donne quand vous avez 3 stacks de désespoir, vous donne un shield. Je rappelle que Sally n'a pas d'escape, donc le Q a l'air quand même très 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 fort. Le Q a l'air quand même très 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 fort. Surtout que c'est 30 coups en mana de base. C'est quand même vraiment pas mal. Unwavering faith reduces the cost of desperate plea, provides a maximum. Voilà, High Inquisitor. Donc le Grand Inquisitrice dissipe l'effet de désespoir, donc vous perdez, il n'y a plus de malus en fait à spammer votre A. Et voilà, ça rend du mana en plus. Ça, c'est cool. When heroes are hit by searing lash. Donc on en a déjà parlé. Keep in mind that she does not have a practical escape. Elle n'a pas d'escape, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. On va attendre les ultimes, on va parler des ultimes. Ah non, pardon, voilà ce talent. Alors le 20. Le 20,
Donc le Divine Reckoning, donc, alors les ultimes, si on regarde quand même, parce que je m'en fous, ils l'ont déjà montré sur le spotlight, donc on va pas perdre trop de temps. Le principe, c'est qu'une espèce de mini orbe de graviton, on va dire, puisque au moment où vous claquez l'UR, tout le monde est ramené dedans, donc potentiellement va prendre plus de dégâts de votre R, donc plus de soins pour vos alliés et vous-même. Sur le papier, c'est très fort. Et sachant que ça deal 50% de dégâts supplémentaires, en plus, lors du premier tick, de ramener tout le monde. Donc c'est quand même plutôt fort, hein, honnêtement, c'est plutôt fort. Mais attention, regardez bien tous les autres niveau 20. Scarlet Crusade, donc l'autre qui met 40 d'armure tout en mettant des charges de soins à tous les alliés dans la zone, va offrir une insensibilité. Alors je me demande si l'insensi marche tant qu'il a le zèle ou si c'est que dans la zone. Mais une insensi de zone, c'est quand même très très fort. Faut voir les conditions, mais sur le papier, ça semble très intéressant. Ensuite, on a le W qui réduit les dégâts ennemis. Faut voir le montant de dégâts ennemis, c'est comme un niveau 20. Donc j'espère que c'est un gros debuff. Ce serait une sorte de rayon réducteur au niveau 20, ça paraît tardif. Mais par exemple, contre un Genji, une Tracer, ce genre de choses, vous mettez le Z. J'imagine que... Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que le tick, ça sera à chaque tick de dégâts, ça réduira les dégâts ennemis. Donc premier tick genre 10%, ensuite 10, 10, 10, 10, ça peut monter à 60, des trucs comme ça. On verra si c'est ça, mais je pense qu'ils vont le construire comme ça. Et du coup ça peut être intéressant, ça peut être super intéressant contre certains carry, genre imaginez un Illidan, hein, le Illidan il fonce dedans, vous réduisez de 50%, 60% les dégâts, ça peut être cool. Contre d'autres persos aussi, puis contre Illidan par exemple ça réduit aussi son lifesteal, donc ça peut être intéressant. Et le dernier, le Purge Wicked, l'activer pour faire des dégâts et ça réduit aussi l'armure. Faut voir l'air d'effet, faut voir tout ça. Sur le papier, les améliorations d'ultime semblent très très strong quand même. Faudra voir les valeurs bien sûr pour les deux autres, mais les améliorations d'ultime semblent très très puissantes, je pense. Mais les deux autres n'ont pas l'air dégueu, tout dépend du temps de recharge, du montant, des coûts, etc. Mais d'ailleurs, au passage, on voit un petit activable 7 visiblement. Peut-être un outil de dégâts supplémentaire ou de soins supplémentaires à activer. Peut-être une purif particulière aussi. Peut-être une purif pour Sally. J'espère qu'elle a une purif quand même, Sally, parce que c'est un prêtre, putain. Non, mais c'est vrai que ça peut être une purif un peu personnalisée. J'espère, on verra. En tout cas, voilà pour ce qui est des... Et au passage, juste un petit point cosmétique. Le skin que vous voyez ici, qui est tout simplement une Star Princess, donc les... Princesse des étoiles, donc comme Liming. Liming en a une comme ça, donc ce sera plutôt joli, et en plus avec un petit décolleté. Donc voilà, messieurs, vous devriez kiffer. Et mesdames aussi, parce qu'elle est vraiment très jolie avec ce skin au final. Donc non, un personnage, j'ai remarqué que c'est un personnage parce qu'il fait beaucoup de débats, donc j'en profite. Il y a un gros débat autour de ce personnage où beaucoup sont dit oui, elle est ultra sexualisée, blablabla. Alors j'avoue que le débat de la sexualisation d'Alexstrasza n'a aucun, mais il n'y a même pas de débat à avoir. Alexstrasza, c'est normal qu'elle soit sexualisée. Ce personnage-là, que certains trouvent que c'est pas normal qu'elle soit sexualisée, je veux bien. Je pense que le débat est ouvert. Après, je vois elle en prend plein la gueule, Sally. Beaucoup de gens sont en mode, oui, c'est un personnage de merde. Pourquoi on a ça, etc. Je vous rappelle que Heroes est aussi l'objet, le but d'Heroes aussi est de faire découvrir des personnes. C'est bien sûr de nous faire hyper avec des personnages qu'on connaît tous, qu'on adore. Mais c'est aussi le but. N'oublions pas que c'est à la base Heroes, c'est aussi ça l'intérêt. C'est d'être une vitrine, on va dire, des différentes licences Blizzard. Et par exemple, bah, Deckard Cain, des joueurs de Warcraft qui ne connaissent pas. Phoenix, qui est la légende Protoss de Starcraft, des joueurs de Warcraft ne connaissent pas forcément. Le but, c'est de faire connaître des personnages. Alors que les principaux héros de Warcraft, on les connaît. Donc ce genre de perso, c'est quand même un mob qui a marqué tout le monde à WoW Vanilla. Et après d'ailleurs, parce qu'elle est revenue aussi. Je crois dans Cataclysm, elle était encore là, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un personnage qui avait quand même pas mal marqué les joueurs, notamment le chapeau. Il y aura probablement une blague avec le chapeau d'ailleurs. Mais c'est un personnage qui est quand même, qui a toujours été, même si bien sûr c'est un personnage tertiaire dans l'histoire de Warcraft, voire derrière, mais elle est cool quand même, et je pense qu'elle en prend plein la gueule pour pas grand chose. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles en plus qui appréciaient ce perso, en même temps les cosplays c'est génial pour elle, et même au niveau, bon des mecs on comprend pourquoi ils apprécient aussi, hein. Mais non, le personnage je trouve sympathique, le chara-design est très très cool, la tête notamment est très particulière, c'est une méchante, hein. N'oublions pas que c'est quand même principalement une méchante, on va dire, bon dans sa tête c'est pas du tout une méchante, mais c'est quand même une tarée, hein. C'est une inquisitrice donc c'est une tarée, mais elle veut cramer des gens et tout, mais donc un support aussi méchant, il y en a peu mine de rien des supports méchants, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un véritable support méchant. La plupart des supports sont tout gentils, hein, Lily, tout ça, Brightwing, c'est... Voilà, on a un support méchant et qui vient de l'univers de Warcraft. Ça fait deux personnages de l'Alliance d'affilée, là vous allez me dire, mais c'est pas l'Alliance, la Croisade des Cartes, bah si, c'est les restes de la main d'argent, c'est juste des extrémistes de l'Alliance, et qui du coup se battent même contre l'Alliance, si jamais l'Alliance se bat contre les morts-vivants. Mais...
Oui, ça reste des personnages de l'Alliance originale, et du coup, ça fait d'autres persos de l'Alliance. Mais du coup, par contre, pour ceux qui attendaient un Anduin, pas tout de suite, je pense qu'on l'aura. Anduin, c'est sûr, il sortira. Je pense que ce sera en plus le Anduin de BFA qui sortira. Mais, donc plutôt classe, plutôt badass et tout. Mais ouais, je pense pas. Ou alors avec un skin, peut-être, pour celui de Mist of Pandaria, tout ça. Mais là, du coup, ça retardera l'arrivée d'un Velen et d'un Anduin. En tout cas, premier prêtre dans le Nexus. Du coup, je crois que toutes les classes d'Hearthstone sont présentes. Et toutes les classes de WoW sont présentes aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble que je vois que toutes les classes de WoW sont présentes. Il manque le maître lame d'en haut. Non, pardon. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, je suis en train de tourner autour du pot. Donc, j'espère que voilà, mes impressions vous plaisent. Mais en tout cas, voilà, le personnage, je trouve très intéressant. Hâte de le tester sur le PTR. C'est pas le personnage qui m'a le plus hypé, mais c'est pas non plus le personnage dans lequel j'ai été ultra déçu. Donc, mitigé, je dirais mitigé bien, on va dire. Mais le personnage a l'air cool sans être non plus révolutionnaire en termes de gameplay. Des choses intéressantes. Le fait, voilà, de soigner en fonction des dégâts, je trouve ça super sympa. Ça fait un petit peu rework Tyrande 2.0. Non, je rigole. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un de ce genre de mécanisme peut-être avec Tyrande. On verra. En tout cas, Tyrande, c'est sûr, il y aura un rework. Enfin, il y aura des choses qui lui seront apportées dans l'avenir. Donc, on verra. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à faire partager autour de vous pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore le perso ou le kit du perso. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, bien entendu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et je rappelle que la prochaine histoire d'un héros sera d'ailleurs sur Sally. Vous n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les autres vidéos de lore, les guides, etc., les tableaux noirs. Donc voilà, plein de bisous. Je vous fais encore plein de bisous, on se dit à bientôt et à plus dans le Nexus!